أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله. Donc on va poursuivre inchallah après l'intervention de Tariq. Cette seconde intervention sur la question de la symbolique des lumières. Inchallah, j'espère ne pas être trop long pour pouvoir laisser un temps au débat, aux remarques et aux rajouts éventuellement. Ce qui est important à savoir sur la question des lumières, si dans le cadre de l'Institut on a voulu introduire la question des lumières, c'est introduire toute la thématique de l'année à travers la lumière. C'est une question qui a été développée par tous les philosophes et par toutes les religions. C'est présent de manière quasi générale et même durant l'Antiquité. Et quand on veut faire de la pensée comparée, c'est bien de prendre une thématique commune qui est assez bien développée au niveau des différentes philosophies et des différentes idéologies, et de voir de quelle manière elles sont traitées. Et à partir de là, on tire des conclusions. Et aujourd'hui, là, durant cette intervention-là, on va tirer certaines conclusions, notamment comment est développée la question de la lumière dans le Coran. Vous l'avez déjà vu avec Tariq l'a assez bien développé. Mais aussi, là, comment s'est développé dans ce qu'on appelle l'idéologie moderne, hein, chez les philosophes des Lumières. Hein, c'est le philosophe des Lumières, 18e siècle, donc qui est considéré comme étant un événement central dans l'épopée pour les Lumières, dans l'épopée de l'humanité. Hein, il considère que c'est l'élément central. Hein. Si nous, on a l'événement de l'Égir, c'est une rupture pour l'avènement d'un message qui va s'installer et qui va se répandre sur la planète. Pour les modernes, hein, pour l'idéologie moderne, l'événement central dans l'histoire de l'humanité, c'est le 18e siècle, hein, c'est les Lumières, et c'est les philosophes des Lumières. Et nous vivons, ce qu'il faut savoir, nous baignons dans cette manière de concevoir, cette manière de comprendre le monde. C'est important, il faut savoir, même si les philosophes des Lumières, bon, ils se sont fait connaître au 18e siècle, mais en vérité c'est bien avant, la grande différence qu'il y a eu à partir du 18e, c'est que ces idées-là, ces philosophies, ces orientations, elles ont été mises en pratique. Et elles sont devenues une réalité à partir du 18e siècle, 18e, 19e, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Après, on va développer sur certains points qu'a déjà introduit Tariq, mais on va les développer, en particulier par rapport à la manière dont est traitée la lumière dans le Coran, et en particulier dans le terme arabe, c'est Nour. Hein, on parle bien de Nour, on ne parle pas d'autre, parce qu'il y a différentes terminologies. Là, on parle de Nour, hein, on ne parle pas de Diya, on ne parle pas de ce qui est éclair, on parle de la lumière. Première chose qu'il faut retenir, et qu'il faut se rappeler, c'est que souvent, on parle de la lumière et on parle des lumières. Et souvent, quand on parle de la lumière, c'est religieux, hein, c'est la lumière de la foi, la lumière de la révélation. Et quand on le met au pluriel, on change de lexique, hein, on change de monde, on est dans un autre paradigme, le paradigme de la modernité, et là, on parle des lumières de la connaissance, on parle des lumières de la philosophie, et en fin de compte, d'un côté, on parle d'une lumière révélée, et de l'autre côté, au niveau des philosophes du 18e siècle, qui vont fonder la modernité, on parle de quoi ? On parle d'acquisition d'une somme de connaissances qui s'est faite durant des siècles, l'acquisition qui s'est faite par l'homme. D'un côté, ce qui est mis au centre, c'est la provenance divine de la lumière. D'autre côté, ce qui est mis au centre, c'est la démarche humaine. Voilà. Et ce sont déjà la grande fracture qui va se dérouler durant ce siècle-là. Il faut savoir que les Lumières n'est qu'une réaction, hein, c'est une réaction à plusieurs siècles de domination cléricale, on sait tous. Hein. D'ailleurs, on oppose les Lumières, les philosophes des Lumières, aux ténèbres du Moyen-Âge, hein, donc là, cette dichotomie, cette opposition, on a les ténèbres du Moyen-Âge et on a les philosophes des Lumières qui sont venus ramener la Lumière ou les Lumières. Et d'ailleurs, cette vision manichéenne du monde et de la réalité, elle va persister jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, certains se considéreront comme ceux qui apportent les lumières à des gens qui n'en ont pas. Et ça a justifié l'injustifiable.
hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein, toutes les ambitions impérialistes, aujourd'hui jusqu'à maintenant, c'est pour apporter les lumières, et en particulier la liberté, etc., l'égalité homme-femme, etc., même si c'est au prix de bombes, même si c'est à travers des bombes. Etc. Et ça, c'est des choses qui ont été... Il faut savoir que les philosophes des Lumières du 18e, du 19e siècle et du 20e ont justifié, certains ont justifié en même temps l'esclavage en disant que c'est vu qu'on a les Lumières, que eux ne l'ont pas. Donc ça justifie notre, même une action violente vis-à-vis d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres nations et même de colonialisme. Si chez les philosophes des Lumières, la non-lumière, ce sont les ténèbres, donc la raison emprisonnée, parce qu'on va, on va voir les quatre principes hein, de ces philosophes-là. En islam, quand on parle de lumière, on ne l'oppose pas à l'obscurité. Hein, on l'oppose plutôt à un terme, même si en Coran, parce que c'est un seul terme en arabe, mais si en français on devait le traduire, on l'opposerait aux ténèbres. Parce que quand Tarek l'a cité plusieurs fois, quand Dieu dit dans Surat Nour, Allah Nour Samawati wal Ard, Dieu est lumière. Vous savez, la lumière est associée à Dieu lui-même. Dieu est lumière des cieux et de la terre. En fin de compte, dans les exégètes, quand ils traduisent ça, ils traduisent qu'en fin de compte, c'est que toute la réalité du monde n'existe qu'à travers la lumière de Dieu. C'est-à-dire, l'être, si les choses existent, c'est qu'à travers la lumière de Dieu. S'il n'y a pas la lumière de Dieu, il n'y a pas d'existence. C'est ça. Donc en fin de compte, l'opposition à la lumière en islam, ce n'est pas seulement les ténèbres, l'obscurité, c'est le non-être, c'est quand on n'est plus. Maintenant, comment est traitée la question de la lumière dans le Coran? Il y a dans différents versets. Donc, évidemment, le premier point dans Sourate As-Saff, c'est la lumière, c'est Dieu la désigne comme étant ce qui guide. Hein, et que les mécréants veulent éteindre la lumière de Dieu, mais ils ne le pourront pas, c'est dans Sourate As-Saff. Après, c'est désigné comme étant ce qui va accompagner les croyants dans l'au-delà. Hein, une lumière les entoure pas. Mais ce n'est pas que l'au-delà. Dieu dit que ce qui réserve aux croyants ici-bas, en plus de la guider, en plus de cette miséricorde qui est la guidée, c'est la lumière. Ils auront leur lumière dans ce monde-là. Elle est associée, évidemment, à la révélation. Hein? Le message coranique est une lumière. Donc c'est une lumière qui guide, mais pas que la révélation coranique. Hein? C'est aussi associé à la révélation du prophète Isa et du prophète Moussa. Et elle est associée à Dieu lui-même, Allahu Nur Samawati wal Ard. Et quand dans ce verset, justement, ce verset-là, dans Surat Nur, ce verset-là qu'on appelle le verset de la lumière, hein, il y a la Surat de la lumière, mais dans la Surat de la lumière, vous avez le verset de la lumière, c'est le verset qui a été récité au début de la séance aujourd'hui, au tout début, ce qui vous a lu, c'était la Surat de la lumière. Et cette soirée de lumière termine par Nour ala Nour. C'est-à-dire lumière sur lumière, et pour certains exégètes, c'est la lumière de la révélation, pour certains, hein, parce qu'il y a différentes essais, c'est la lumière de la révélation qui vient éclairer la lumière intérieure. Donc, la lumière est aussi associée à ce qu'on appelle l'inéité ou la fitra. Donc, la lumière est associée à Dieu lui-même, elle est associée à la révélation, elle est associée à notre fitra. Et elle est considérée comme ce qui dit. Elle est une récompense pour les croyants dans l'au-delà, et elle est une faveur divine pour les croyants dans ce monde. Ça, c'est une lumière spirituelle. Mais Dieu ne parle pas seulement de la lumière spirituelle, il parle aussi de lumière en termes de réalité physique, matérielle. Et ce qui est différent, ce qu'on va voir peut-être après, je ne sais pas si j'en parle maintenant, on va en parler après. Donc, elle n'est pas associée à la lumière du soleil, jamais. Jamais vous verrez un verset coranique qui vous parlera de Nour associé au soleil. Le soleil, c'est Siraj, hein, c'est une lampe qui éclaire, une lampe éclairante, etc. Mais jamais Nour. Par contre, elle est toujours associée à la lune. La lune. Quand Dieu dit, je vous ai envoyé une lampe éclairante dans un verset, une lampe éclairante, Siraj, et la lune comme lumière. Nour.
Et ça, on va le voir, c'est pas anodin. Dans, dans la Genèse, dans les évangiles, le soleil et la lune, les deux, sont deux lampes éclairantes. Un grand, dans le verset, il parle de grand luminaire et petit luminaire. Un grand luminaire et un petit luminaire. Dans le Coran, non. Le luminaire, le terme luminaire, ou siraj, ou lampe, c'est des synonymes, c'est celui qu'il a attribué qu'au soleil. Et la lumière, qu'à la lune. Et on verra que ça a un sens profond. Ce n'est pas par hasard. Déjà, ça, c'est physiquement, parce que la lune, c'est qu'un reflet, ce n'est que la lumière, alors la lumière de la lune n'est que le reflet de la lumière solaire. Donc, ce n'est pas une lampe, parce qu'elle n'émet pas de lumière. Elle fait que le reflet est une lumière. Donc, c'est une évidence. Déjà, physiquement, c'est une évidence. Donc, le Coran est beaucoup plus proche. Mais il y a aussi un sens spirituel. Maintenant, revenons aux philosophies des Lumières. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un long processus. Hein. Ce n'est pas un 18e siècle comme ça qui est arrivé, c'est très long. Certains même vont jusqu'à l'Antiquité, hein, pour dire l'évolution de la pensée des Lumières. Tiens. Elle est aujourd'hui intrinsèque à l'identité européenne. Comment on peut définir l'Europe comme étant, même si historiquement c'est faux, parce que le christianisme, c'est d'abord le Moyen-Orient, mais l'Europe, c'est le siège de la chrétienté. C'était le siège de la chrétienté, l'Amérique du Sud, c'est beaucoup plus important. Mais maintenant, l'idée des Lumières, c'est une idée européenne, hein, qui s'est mondialisée, dans les faits, dans la réalité. Et ce que je disais, l'élément important, pourquoi le 18e siècle est un siècle fondateur, parce que c'est passé des idées, des livres, à la réalité. Ça veut dire socialement, économiquement, politiquement, les idées des Lumières ont été mises en pratique jusqu'à aujourd'hui. Quatre principes qu'il faut retenir. Déjà, avant, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas revenir sur ça, ce n'est pas le but de l'intervention, il faut comprendre les Lumières comme un mouvement d'émancipation, de rejet, de rupture, par rapport à ce que les philosophes des Lumières appellent l'obscurantisme du Moyen-Âge, hein, ou Moyen-Âgeux. Donc c'est une réaction, il faut la comprendre comme ça. C'est une réaction à une hégémonie cléricale. Vous avez une institution qui se voulait représentante de Dieu sur Terre, qui a une hégémonie totale, hein, sur les êtres, même sur l'avoir, même sur les biens. C'est-à-dire, donc cette hégémonie-là, donc les Lumières n'est qu'une réaction à ça. Hein. Donc c'est pour ça que le premier credo des Lumières, c'est l'émancipation. C'est le fait de rejeter toute autorité extérieure. C'est-à-dire, l'homme rejette toute norme qui n'est pas issue de lui-même. Toute norme qu'on voudrait imposer de l'extérieur. Y compris quand elle vient d'une institution, et y compris quand elle vient d'un texte révélé. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça change deux choses. Premièrement, c'est le référentiel. Ça veut dire ma référence, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un autre monde supposé. C'est pas ça. Ma référence, c'est moi. C'est moi en tant que... Et ça doit venir de moi, de mon intériorité à moi. Et jamais de l'extérieur. Ça, c'est un principe. Et l'objectif, c'est la rupture avec l'autorité cléricale. Mais c'est aussi cognitif. C'est-à-dire, cognitif, ça s'associe dans la compréhension du monde. Le monde, on ne comprend pas comme étant une création. Le monde, on comprend comme étant une réalité déjà apparente, et la réalité apparente, c'est celle qui compte. Hein, on met de côté la réalité invisible. La réalité invisible, elle est en débat. Elle a provoqué des guerres des religions, etc., etc. Donc, cette réalité-là ne doit pas nous intéresser. On doit s'intéresser de la réalité tangible, visible, physique. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Et on doit construire notre monde ici-bas qu'à travers ça. Deuxième point, donc ça, l'émancipation, c'est la rupture. Hein. C'est la rupture avec un référentiel qui avait lieu à l'époque. Deuxième chose, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que si on fait une rupture avec le référentiel, si on fait une rupture avec tout ce qui vient à l'extérieur de moi, donc c'est moi qui vais décider de la norme. C'est moi qui décide de mes lois. Selon mes critères à moi. C'est-à-dire, je construis mon monde, ma réalité physique, économique, politique, à travers une norme qui ne vient pas d'en dehors de moi. C'est-à-dire, c'est des choses, quand je dis moi, c'est même au niveau collectif, c'est-à-dire nous ensemble, à travers notre raison, parce qu'on dit moi, c'est ça, c'est la raison, à travers notre raison, nous allons débattre et nous allons mettre en place nos règles de vie communes. Et on ne fait pas de référence à quelque chose d'extérieur. Troisième point, c'est la finalité. La finalité, elle n'est pas dans l'au-delà. Il n'y a plus de finalité en dehors de la réalité physique, notre réalité terrestre,
la finalité, elle est là. Notre objectif, c'est le bonheur sur Terre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une rupture avec tout ce qui est la relation avec le religieux, donc c'est ce qu'on appelle la sécularisation. C'est au niveau politique, quand on dit au niveau politique, ça veut dire qu'en fin de compte, là, le délit, au niveau juridique, le délit, c'est pas une faute morale. Le délit, c'est ce qui fait un mal à la collectivité ou qui fait un mal à l'autre. Donc, le délit ne peut plus être un péché ou une faute morale. C'est comme ça qu'il faut comprendre, par exemple, les lois comme les lois sur le mariage sur tous. C'est pourquoi interdire une chose qui ne va pas vous faire du mal à vous. Si eux, ils veulent se marier entre eux, c'est leur problème. Donc ça ne peut pas être un délit. L'homosexualité ou le mariage homosexuel ne peut pas être un délit. Ou un couple homosexuel n'est pas un délit, n'est pas une faute, etc. Tant, pourquoi? Parce que la manière de définir des lois, ce sont uniquement sur cette unique considération. Il n'y a pas de faute morale, hein. Il n'y a pas de faute, il y a seulement le délit. Ça. Par contre, faire du mal à son voisin, etc., et tout, c'est un délit. Donc c'est une autre manière de concevoir le rapport le monde, la vie collective. Donc c'est dans le droit, c'est dans la politique. Et évidemment, au niveau des Lumières, l'instance essentielle, fondamentale, centrale, c'est l'école. Hein? Pourquoi? Parce que les Lumières conçoivent qu'on ne peut pas être émancipé, on ne peut pas être autonome, on ne peut pas posséder ces valeurs-là sans l'éducation. Comme disait Rousseau, nous ne pouvons être hommes sans être savants. Et être savant, c'est que l'école. C'est pour ça que la première demande qu'on fait des philosophes de Lumière, c'est qu'il y ait une rupture entre le système éducatif et le système et l'institution cléricale. Il faut qu'il y ait une indépendance entre l'un et l'autre. Voilà. Après, ça aboutit à ce qu'on appelle à l'universalité, c'est-à-dire comment on conçoit l'universel. Donc, on va y venir. Donc, ça veut dire que tout être humain a cette capacité-là à s'émanciper, à être autonome, à définir ses propres finalités. Et c'est ça la voie. C'est-à-dire. Donc, tout être humain a des droits. Les droits deviennent autant aussi sacrés que les anciens droits à travers l'Église. C'est-à-dire. Et il y a égalité dans les droits, femmes, pauvres, hein, pauvres, riches, femmes, hommes, etc., enfants, adultes, etc. C'est à cette époque-là qu'on commence à parler de droits de l'enfant, etc. C'est une autre conception de l'histoire. Avant, nous avons une vision cyclique de l'histoire, c'est-à-dire les choses se répètent indéfiniment et les choses ne changent pas. Donc c'est un ordre qui est fixe, c'est-à-dire, et qui est fixe, pourquoi? Parce qu'elle est d'origine divine, c'est la vision, hein, la vision qu'avaient les gens d'avant, c'est-à-dire que s'il y a un ordre, s'il y a des riches et s'il y a des pauvres, c'est que Dieu l'a voulu. Donc il faut rester. Je parle au niveau du système clérical et au niveau de. À l'époque, au Moyen-Âge, s'il y a des riches, s'il y a des pauvres, s'il y a des nobles, s'il y a des non-nobles, s'il y a un clergé, s'il y a des laïcs, etc., c'est que Dieu a voulu le monde comme ça et le monde ne doit pas être changé. C'est une vérité divine et une vérité divine ne change pas. Donc c'est la perfection divine. Donc c'est un monde qui ne doit pas changer. Les Lumières introduisent cette vision-là du progrès. En fin de compte, l'ordre doit constamment changer. Les humains, les hommes doivent se perfectionner. Hein, c'est Rousseau qui parlera après de perfectibilité. Ça veut dire que c'est ça, l'émancipation de l'homme, c'est sa perfection. Et il va évoluer de cette manière-là. De cette conception-là, on a une conception de l'homme qui est différente. Avant, l'homme, c'est faux. Hein, avant une union, un homme défini par lui-même, c'est faux. La première phrase, elle est fausse. Hein, c'est une erreur. Donc l'homme, il est défini en dehors de lui-même. Justement, c'est pas par lui-même. Il est défini en dehors de lui-même. Ou bien l'homme est défini par rapport à son passé mythique, c'est-à-dire que l'homme est défini par rapport à une identité culturelle. C'est ça. Ou un clan, ou une tribu. En dehors de la tribu, vous êtes rien. Ce qui fait l'essence de l'homme, c'est son appartenance à un pays, appartenance à une culture, appartenance à une nation, ou à une tribu. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui te fait toi, ce qui fait que tu es un homme, c'est une appartenance à une chose qui te dépasse. Donc tu es dominé, tu es soumis à cette réalité-là. Avant c'était ça, en particulier dans tout ce qui est dans les systèmes tribaux, même plus que ça, même dans les nations, c'est ça, maintenant, beaucoup moins maintenant. Ou bien l'homme est prisonnier d'un ordre cosmique, ça c'est l'Antiquité. C'est-à-dire l'homme il est soumis à sa réalité, il est entre le monde animal et le monde des dieux, hein, c'est ça. Il est dans cet ordre-là, il ne peut pas changer, il ne peut pas évoluer, etc. Il est emprisonné, il est soumis à cet ordre-là. Il ne peut pas décider, il ne peut pas aller plus, il peut pas aller au-delà de ça. Ou bien il est dépendant d'un au-delà divin, c'est-à-dire qu'il y a une révélation qui définit sa place.
et qui dit sa place même après sa vie. Les Lumières met une croix sur ces trois définitions-là. Dit l'homme, il se définit par lui-même. Hein, c'est toujours cette prétention orgueilleuse, hein, c'est toujours cette vision en disant nous, par nous-mêmes, on peut tout faire. On n'a besoin de rien d'autre que nous. Ni Dieu, ni la tribu, ni le clan, ni la nation, l'homme par lui-même, etc. Et on a trois visions. Trois visions, c'est important. Mais elles ne sont pas contradictoires. Parfois, elles se chevauchent. Ça. Première vision, l'homme et nature. C'est l'homme, l'essence, c'est sa nature. En fin de compte, c'est la vision de ce qu'on appelle c'est l'universalisme empirique, c'est les empiriques, ou les matérialistes, comme Hume. C'est que c'est son apparence physique qui fait l'homme. Et si on considère qu'on a une universalité, parce qu'on se ressemble, plus ou moins. Voilà. Donc c'est l'apparence physique, hein, qui c'est un fait, qui fait, c'est sa nature, ça, qui fait que l'homme, il est homme. D'autres diront, c'est sa culture. D'autres diront, on ne peut pas dire que l'homme, ce qui le définit, c'est sa nature, sa nature physique, hein, corporelle. Ça voudrait dire qu'on serait au rang d'animal. Il dit non, l'homme, il est plus que ça. Il est plus que ça, c'est sa culture. Donc c'est ça. Donc c'est ça. C'est une appartenance à une nation, à une culture, à une vision de la vie, etc. Et c'est ça, ou une vision même de l'au-delà. Hein. C'est pas contradictoire avec la vision religieuse. Ça. Et c'est ça. C'est son appartenance culturelle qui fait l'homme. C'est ça qui fait l'essence de l'homme. Et l'homme, il évolue. Plus il est culturellement identifié, et plus il est homme. Et donc c'est son appartenance à un groupe culturel, etc. Et le troisième point, on peut dire c'est ce qui domine notre actuellement, c'est l'homme, un être de surnature. C'est-à-dire que l'homme, il est plus que sa nature. L'homme, il est plus que sa corporité, il est plus que son corps, il est plus que son apparence physique. Il est plus que sa culture. La preuve, il peut changer de culture, il peut changer d'appartenance. C'est-à-dire, donc l'homme est un être de surnature, c'est-à-dire que l'homme, comme on dit, comme ils disent, c'est encore Rousseau, dit, l'homme se transcende. Ça veut dire qu'il peut aller plus que lui-même. Dans cette vision, c'est ce qu'on appellera après les philosophes de la liberté. Donc c'est trois visions, tiens, et jusqu'à maintenant, même au niveau des sciences de l'éducation, vous avez ces trois visions-là qui se contredisent, mais qui s'affrontent. Hein, l'homme nature, l'homme culture, et l'homme surnature. Et ça donne trois visions de l'universel par la suite. Universel empirique, ça veut dire s'il y a un universel, si les êtres humains ils sont tous ensemble, ils font tous partie d'une même entité, c'est parce qu'ils se ressemblent, c'est ce qui s'appelle l'universel empirique, c'est un fait, point. Deuxième point, l'universel abstrait, c'est ce que je viens d'expliquer, l'homme de son nature, c'est la vision très théorique, c'est très français d'ailleurs ça, en disant que l'homme a la capacité de se transcender, de se perfectionner, etc. Et c'est ça qui fait l'homme. Parce qu'aucun animal sur Terre a cette capacité-là de faire ça par lui-même. Peut-être qu'il peut évoluer, hein, vous disiez, oui, c'est ça, il peut évoluer, mais par lui-même, c'est pas possible. Il n'y a que l'homme qui est capable de se dépasser. Et puis, il y a la vision de Kant, qui est la vision la plus intéressante, qui est aussi celle de Rousseau, qui donne ce qu'on appelle l'universel singulier. Alors là, c'est en disant qu'en fin de compte, c'est ce qui distingue l'homme, c'est sa capacité à évoluer. Et c'est ça qui fait notre universalité. Et il donne des étapes. Et ce sont les étapes, en fin de compte, c'est les étapes pédagogiques, c'est les étapes d'un nouveau-né, d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. En disant que l'homme passe par trois étapes. Première étape, il pense par soi-même. Il doit apprendre à penser par soi-même, et non pas par des idées qu'on lui impose. Il pense par soi-même. Et Kant donnera cette phrase qui est en fin de compte la devise des philosophes des Lumières. Hein, c'est la phrase de Kant, je pense que c'est celle où tout le monde se reconnaît. Aie le courage de servir de ton entendement, telle est la devise des Lumières, c'est ça. Ça veut dire, tu as une raison, il faut s'en servir. Donc penser par soi-même. Après, c'est au-delà de toi-même, la pensée élargie. Alors la pensée élargie, ça veut dire, tu as pensé par toi-même, maintenant pense pour tout le monde. Ça veut dire, tu as pensé par toi-même pour comprendre ce qui est bon pour toi. Maintenant, aie une pensée plus large, voire universelle, pour savoir ce qui est bon pour tout le monde, pas que pour toi-même. Ça, c'est deuxième étape. Et troisième étape, ce qu'on appelle dépasser l'abstraction, dépasser, parce que ça c'est de la théorie, c'est que de la pensée, c'est ce qu'on appelle la pensée conséquente, hein, ce que Kant appellera la pensée conséquente. Et la pensée conséquente, c'est quoi? C'est-à-dire que mets en pratique ce que tu penses. Si tu considères que faire ça,
c'est bien pour toi, mais c'est aussi bien pour tout le monde, et ne pas le faire, eh ben, vis en accord avec cette pensée. Et c'est ce qu'il appelle lui la pensée conséquente, ce qu'on appellerait aussi la sagesse. Et ce sont les trois étapes que... Et pour Kant, et Kant est un croyant. C'est-à-dire que ce qu'il dit, on ne peut pas ne pas sentir un référent religieux derrière tout ce qu'il dit. Voilà. Cette idée-là de penser pour toi-même et penser pour les autres, c'est même, il y a même des hadiths, hein, ce qui est bon pour toi. Il y a des hadiths qui disent à peu près la même chose. Ça aboutit actuellement, etc. Et surtout que même les grands scientifiques ont même réduit à néant certaines visions, etc. Parce que toute la pensée des Lumières, c'est cette idée-là de dire que l'homme a en lui quelque chose d'extraordinaire, d'unique, hein, que toute la création, eux ne diront pas la création, la création c'est un terme religieux, ils diront que toute la réalité mondiale, toute la réalité terrestre n'a pas, c'est que l'homme a une raison. Et cette raison-là lui permet d'aller plus loin, lui permet de se dépasser. Et il lui permet de contrôler. Le problème c'est que cette vision-là mettait l'homme au centre de tout, et vous avez des scientifiques, soit des gens comme Copernic, ou bien des psychanalystes comme Freud, ou bien des économistes comme Adam Smith, qui remettent en cause la centralité de l'homme. Bah, Copernic, c'est lui qui disait qu'en fin de compte, la Terre n'est pas le centre du monde, même si c'est bien avant. Donc c'est-à-dire que la Terre, si la Terre n'est pas le centre du monde, de l'univers, c'est-à-dire que l'homme n'est pas le centre de l'univers, bien loin de ça, nous avons des milliards et des milliards de planètes, donc cette centralité que les lumières mettaient de l'homme, elle n'est pas aussi centrale que ça, hein, scientifiquement. Freud a été plus loin encore en parlant de cette question de l'inconscient, parce que Freud c'était celui qui a mis en évidence, qui a plus développé cette question de l'inconscient, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Freud disait qu'en fin de compte que les actions humaines ne sont pas le fruit que d'une pensée consciente. C'est-à-dire qu'il y a une réalité en nous, qu'il appelle l'inconscient, qui nous fait agir. Donc on n'est même pas maître de nous-mêmes. Et ça c'est un coup dur pour les philosophes de lumière. Parce que dire que nous on est au centre, mais nous on n'est pas maître de nous-mêmes. Comment tu peux te mettre au centre alors que tu n'arrives même pas à te contrôler toi-même. Donc ça. Et Adam Smith au niveau économique, et quand il a commencé à parler de la main invisible, c'est pire. Bon, c'est vraiment une dépossession. Adam Smith qui considère que les réalités, que les relations économiques ne se gèrent pas uniquement que par une volonté humaine, mais il y a une main invisible. Hein, qui rééquilibre toutes les relations commerciales et économiques. Tout ça démontre en fin de compte qu'il y a des choses qui sont au-delà de la volonté humaine et qui pourraient gérer notre réalité. Donc ça restreint un peu cette vision et cette considération qu'ont les philosophes de lumière de dire que l'homme est au centre parce que l'homme a une volonté, l'homme a une raison et l'homme peut tout contrôler. Après, il y a la réalité d'aujourd'hui, au XXIe siècle, on comprend que, quand on a parlé de qu'il faut développer une connaissance, c'est la connaissance, hein, on dit les lumières de la connaissance, les lumières, c'est un préalable et un credo, voilà, un credo, presque un dogme, hein, développer les connaissances, c'est un credo des philosophes des lumières, mais on a abouti à ce qu'on appelle dans le scientisme, c'est-à-dire qu'est-ce que les connaissances quand ce n'est pas encadré par une morale. Parce que les connaissances peuvent être utilisées par n'importe qui. On a vu, c'est-à-dire que vous avez des régimes autant que le régime. Vous avez des régimes comme le régime nazi, hein, le régime hitlérien, qui étaient des régimes qui ont développé les connaissances et les sciences à un point impressionnant. Toutes les grosses industries allemandes actuellement, la plupart, celles qui sont devenues mondiales, qui sont les fleurons de l'industrie allemande, sont pour la plupart des industries qui ont été mises en place, qui ont été développées par le régime hitlérien. Ça veut dire par le régime le plus, ce qu'ils considèrent comme étant le plus horrible qui aurait pu créer l'homme dans sa période moderne. Donc la science n'est pas ne nous épargne pas du malheur. Et la raison. La raison qui était le fondement de chez les philosophes lumières, la raison, comme une citation que j'avais lue, il n'y a pas plus rationnel qu'un malfaiteur. Celui qui veut faire un hold-up, il a un intérêt très rationnel. C'est-à-dire la raison c'est ce qu'on appelle la raison instrumentale. La raison instrumentale, c'est la pire des raisons. C'est une raison qui ne définit pas une fin. On l'utilise la raison, mais on ne définit pas un projet.
Donc la raison ne peut pas être, au centre. Le rendre le savoir accessible, autre credo des Lumières, mais à l'ère d'Internet, qu'est-ce que ça veut dire rendre le savoir accessible? À l'ère d'Internet, à l'ère des technomédiatiques, on noie l'information, on noie le savoir à travers trop de savoir et à travers trop d'informations. L'esprit critique, encore un credo des Lumières, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on est en période préélectorale ou électorale. On voit qu'est-ce que c'est que l'esprit critique dans le jeu politique. Ça devient une mascarade, c'est un jeu. On appelle ça un jeu, le jeu politique ou le jeu politicien. C'est-à-dire qu'on voit qu'à un moment donné, cet esprit critique, trop d'esprit critique, trop tue l'esprit critique. On le voit à un point tel que maintenant, les hommes politiques, on les invite dans des shows et dans des. C'est-à-dire qu'ils font partie du show. C'est-à-dire on voit à quel point ceux qui sont normalement, qui devraient être les donneurs de leçons, etc., sont les premiers à se donner en spectacle et à se donner dans la dérision. L'autonomie de l'individu, hein, c'est vrai que parmi les quatre principes, c'était l'autonomie, mais l'autonomie de l'individu, quand ça aboutit à un individu séparé de tout, et ça aboutit à l'individualisme, quelle autonomie? C'est quoi l'autonomie? Si c'est ça l'autonomie, c'est comment peut-on être un homme quand on coupe toutes nos relations sociales? Et que toutes nos relations sociales se limitent à être un consommateur ou un producteur, et non pas avoir des relations qui dépassent cela. La question des fins, des finalités, on arrive aussi à le troisième principe que j'ai cité préalablement, la finalité, mais quand on le rejet des finalités supérieures, des finalités de l'au-delà, on aboutit à la sacralisation des moyens. On aboutit à ce que on ne parle plus de finalité et on cultive les moyens. C'est ça actuellement ce qu'on fait. Et on verra par la suite pourquoi. Et l'universalité des principes, la question de l'universalité. Alors, la question de l'universalité, c'est vraiment la question, c'est-à-dire qu'effectivement, on aboutit, c'est vrai que, la modernité marchande est devenue une philosophie, est devenue une réalité mondiale. Hein, c'est pas l'Europe maintenant, c'est plus l'Europe, c'est bien au-delà de ça. Mais c'est pas une universalité des principes, c'est plutôt une uniformité marchande. C'est ça dans ce qu'on vit. Et on verra que ce n'est pas. Hein, parce que là, c'est le dernier point, ce n'est pas une perversion des Lumières. Parce que certains des philosophes des Lumières, hein, des gens comme Luc Ferry ou d'autres, hein, ceux qui se réclament des Lumières jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup, même sur la plupart des philosophes mainstream, hein, ce que vous voyez à la télévision, hein, considèrent que tous ces excès-là, ce sont des perversions, etc. D'autres considèrent qu'en fin de compte, ce sont les conséquences qui étaient inévitables. On ne pouvait pas ne pas les éviter. Et pourquoi on ne pouvait pas les éviter? On va prendre deux citations de deux grands philosophes des Lumières, un Allemand et un Écossais, un Britannique. Adam Smith, un Écossais. Et qui sont de la même période, hein, qui sont contemporains. Kant, qui est un croyant, hein, c'est pour ça que Tarek l'aime beaucoup, c'est un croyant, etc. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un déiste. Alors, le déisme, ce sont souvent les croyants des Lumières, ce sont ceux qui ont refusé la rupture avec le religieux, tout en adhérant en philosophie des Lumières. Ce sont cette philosophie-là qui est chez nous, qui est au niveau de la Aqida musulmane, au niveau de la compréhension de la foi musulmane, c'est une aberration. C'est considérer que l'homme a créé le monde, que Dieu a créé le monde, mais Dieu, après cela, s'est retiré et a laissé les hommes gérer leurs problèmes. C'est-à-dire, l'homme gère ses problèmes tout seul, même s'il y a un créateur. C'est la vision d'un Dieu loin de la réalité humaine. Et souvent, c'est des gens qui sont dans cette. C'est pour ça que pour eux, c'est pas contradictoire de dire on est pour une philosophie qui met l'homme au centre et pas Dieu, tout en ayant la croyance à Dieu. Pour eux, c'est pas contradictoire parce qu'ils ont cette conception de Dieu, hein, qui pour nous est aberrante. Hein, parce que pour nous, Dieu est le créateur permanent. Hein, si on est toujours en train de dire Bismillah quand on commence n'importe quelle chose, on dit Inch'Allah, on dit La Hawla wa la Quwwata Illa Billah, pourquoi Dieu nous demande ça? C'est pour nous rappeler qu'en fin de compte, la réalité de Dieu, elle est permanente chez nous. Elle est permanente. Et si Dieu a mis des lois physiques qui font que 1 plus 1 égale 2, mais Dieu a
nous rappelle que c'est lui qui fait cette réalité là. Il la change comme il le veut, il la conduit comme il l'entend. Et c'est pour ça qu'en islam, cette manière de multiplier les invocations et les évocations, c'est pour nous rappeler ça et pas nous tomber dans l'illusion de ce qui est apparent. Eux, ils se limitent à ces questions apparentes en disant l'homme gère leur réalité tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit agis de telle sorte que tu traites l'humanité toujours comme une. Que tu traites l'humanité toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Bon, le sens. Le sens, en fin de compte, ne traite jamais l'humanité comme un moyen. L'humanité, l'homme est une fin. C'est-à-dire, n'utilise pas l'homme. C'est-à-dire, n'utilise pas les gens pour faire du profit. N'utilise pas les gens. Les gens, c'est la finalité. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses. C'est cette réalité-là. Et ça, c'est un philosophe des Lumières. En même temps, c'est un philosophe des Lumières, et j'avais exposé que vous avez dit qu'on a trois types de conception de l'homme et de l'universel. Kant, c'est ce philosophe-là, ce qu'on appelle philosophe de la liberté, philosophe de l'universel abstrait, etc. En face, vous avez Adam Smith, qui est beaucoup plus proche des gens comme Locke et d'autres, qui sont des philosophes plus matérialistes, plus empiristes, qui pour eux, cette idée-là de liberté, ok, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la réalité. Enfin, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci, de leur intérêt propre. » Qu'est-ce que c'est de Richesse des Nations, hein ? Le livre de référence, Richesse des Nations, pour tout ce qui est l'économie politique, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « En fin de compte, ce qui va faire mon repas, c'est pas la bienveillance du coup de celui qui prépare le repas qui va faire en sorte que j'ai un repas. C'est parce qu'il a son intérêt à le faire que j'aurai mon repas. » En fin de compte, la relation humaine n'est basée que sur l'intérêt. La relation humaine ne sont basées que sur l'intérêt. Et c'est quand on protège les intérêts privés qu'on pourra avoir un bonheur sur Terre. C'est quand les gens développeront leurs intérêts privés et qu'on développera cette notion d'intérêt privé que l'intérêt collectif sera préservé. Donc l'intérêt collectif et le bonheur sur Terre n'est que le fruit de la somme des intérêts privés. En fin de compte, c'est en sachant mieux, bien, t'utiliser toi comme un moyen que je pourrai avoir ce que je veux. Et si toi, tu sais bien t'utiliser comme un moyen, tu auras ce que tu veux. Et si on sait tous s'utiliser comme des moyens, on aura tous ce qu'on veut. Et en fin de compte, c'est tout le contraire de Kant. Kant dit l'être humain n'est pas un moyen, l'être humain est une fin. Mais lui, il dit que si on fait tous comme ça individuellement, dans des relations comme ça, bilatérales, chacun, c'est la base de l'économie libérale, c'est ce qu'il y a. Mais si on sait tous faire ça, et ben on va arriver à une réalité, on aura le bonheur sur Terre. Et ce sont deux oppositions. Alors souvent, on les met en opposition en disant, voilà, c'est la vision de gauche, ou c'est la vision de droite. Adam Smith, c'est la vision de droite, hein, c'est la vision des intérêts privés, c'est la vision de l'économique libérale, etc. Et Kant, dans cette manière-là, de dire, on n'est pas une fin, c'est la vision sociale et la vision de gauche. Mais en fin de compte, cette vision de droite-gauche est une illusion. Ce sont deux philosophies qui ont vécu, qui se sont nourries l'un l'autre. Elles ne se sont pas opposées. Elles s'opposent comme ça en apparence, mais en réalité, elles ne sont pas opposées. Et on va le voir comment par la suite. Parce qu'en fin de compte, quand on dit que l'être humain ne peut pas être soumis à une autorité extérieure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, on coupe toute la relation verticale, c'est-à-dire la relation au divin qu'a l'être humain, l'homme. Quand on dit que l'être humain ne doit pas se faire imposer par une culture, par un clan, par une tribu, par une nation, ne doit pas s'imposer des normes. Il doit les définir lui-même. C'est les êtres humains entre eux. Ça veut dire qu'en fin de compte, on coupe aussi sa relation horizontale avec la communauté. Et ce qui fait le fondement de l'islam, en fin de compte, la relation verticale avec Dieu et la relation horizontale avec la communauté. On coupe ces deux relations-là. On crée une fracture et on crée une division. On crée une séparation. Et c'est ça. Et en fin de compte, on isole l'homme. Hein, d'ailleurs, le mot individu, c'est-à-dire ce qui ne peut plus être divisé, c'est-à-dire quand on l'homme, on l'a isolé de tout. On l'a isolé de tout ce rapport-là, au vertical, au transcendant et à la communauté. Mais quand on a isolé l'homme, on a considéré que l'homme isolé comme ça, c'est un homme libre. Et c'est ça. Pourquoi chez ces philosophes-là, même contemporains, ils ne comprennent pas le foulard. Mais comment une personne s'habille en fonction d'un texte révélé ? C'est-à-dire que tu t'habilles selon une norme qui ne vient pas de toi. C'est incohérent.
les gens doivent s'habiller comme ils l'entendent. Mais comme ils l'entendent, pas à travers un texte révélé. Parce que si tu adhères à un texte révélé, non, c'est pas comme tu l'entends toi. Sépare-toi, coupe, fais une séparation avec le texte révélé. C'est pas ça qui doit te dire comment t'habiller, comment manger, comment vivre, comment définir la société, comment définir les règles de la vie sociale, économique, politique, etc. Ça, c'est incompréhensible. L'homme doit se couper. Mais quand il est coupé, qu'est-ce qui reste quand vous avez en face de vous une personne comme Adam Smith qui dit que mon intérêt pour moi, mon rapport avec toi n'est que dans l'intérêt. Ben, il ne vous reste qu'un rapport marchand. Vous n'avez plus un rapport communautaire, vous n'avez plus un rapport transcendant, avec la transcendance, vous n'avez qu'un rapport marchand. Et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes toute la journée, même vos soirées? On est quoi? Vous verrez, vous êtes dans un statut ou de producteur ou de consommateur. C'est ça. Et c'est ça la modernité marchande. C'est qu'on a comme envie. C'est ça. C'est qu'on on réduit l'homme. Et en fin de compte, à travers l'histoire, l'homme s'est émancipé de la domination cléricale, qui était une véritable domination. Parce que dans le système, dans la tradition chrétienne, on a créé une institution qui a prétendu être un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et carrément qu'il y avait des fonctions divines. Hein, parce qu'ils ont des fonctions divines, ils peuvent même pardonner les péchés à la place de Dieu. Donc ils ont créé une institution, ils sont les représentants de Dieu sur terre. Cette institution-là, avec le temps, au bout de 10 siècles, a créé une véritable domination. Cette domination a abouti, à un moment donné, à ce qu'on appelle la réaction des Lumières, ou les philosophes qui ont considéré qu'il faut couper avec ça. Pour vivre heureux sur terre, il faut couper avec ça. Et il faut couper même avec ce qui est derrière ça, c'est-à-dire pas le système clérical. La religion, pas la religion, Dieu. Et il faut considérer que les réalités sensibles. Il ne faut plus considérer les réalités invisibles, ce que l'homme croit être, qu'il pense qu'il y a une réalité invisible. Il faut vivre avec le sensible, le perceptible, le tangible, le quantitatif, ce qui est réel, ce qu'on peut compter, ce qu'on veut. Et à partir de là, vous avez des philosophes, parmi les philosophes de lumière, comme Adam Smith, qui ont fondé l'idéologie marchande, qui ont dit en fin de compte, les êtres humains, maintenant qu'ils ont enlevé la morale, qu'il n'y a plus d'éthique, parce que le religieux, même dans le système clérical, même s'il y avait une injustice, il y avait une éthique, il y avait une morale. Mais eux, ils ont retiré la morale. Ils ont dit, en fin de compte, s'il n'y a pas de morale entre nous, si ce n'est pas ça qui régit nos relations, qu'est-ce qui régit nos relations? L'intérêt. Et ils considèrent qu'en fin de compte, tous nos rapports sont des rapports d'intérêt. Et c'est quoi les rapports d'intérêt maintenant? C'est les rapports d'argent. Travailler, consommer. Maintenant, voilà, je vous ai fait, c'est hyper synthétique. Je vous ai fait, après on pourra en parler si on a un peu de temps. Je ne sais pas si je vous laisse du temps. 16h41, je vais aller très vite. En plus, c'est la partie la plus importante maintenant. Je vous ai parlé au début sur la question de la lune et du soleil. C'est métaphorique, hein, c'est une parabole. C'est une des paraboles, c'est important. Parce que ça va nous introduire la manière de comprendre notre relation à Dieu. Et je vous ai expliqué qu'en fin de compte, dans la Genèse, il est cité, on parle de la lumière du soleil, on est cité comme étant les deux grands luminaires. Le grand luminaire, qui est le soleil, préside le jour, le petit luminaire, qui éclaire la nuit. Le Coran n'est pas dans cette définition-là du tout. Pour le Coran, il dit que dans Dieu, il a placé un luminaire, effectivement, donc les constellations, les étoiles, tout ça, les planètes. Il y a un luminaire et une lune qui éclaire. Voire pas mal, on dit, une lumière et une lune qui éclaire. Qui émet du noir. Le terme de lumière est clair à la fin du verset. C'est important parce que, en fin de compte, c'est la symbolique de la lune et du soleil. Tout le monde en parle. Chez les philosophes, vous savez, chez les francs-maçons, le grand symbole de la lumière, de la raison, la lumière des connaissances, chez les francs-maçons, c'est un soleil. Hein. Les francs-maçons, hein, vous avez le triangle, vous avez le soleil. Ça. Donc, c'est. Donc la symbolique du soleil, chez les philosophes des Lumières, c'est central. Vous les verrez souvent, cette centralité du soleil. En islam, vous n'avez pas la centralité du soleil. Même pour la foi, ça, vous n'avez pas la centralité. Vous avez parfois la lune, parfois, tiens, vous n'avez jamais le soleil. Tiens. Et en fin de compte, vous savez, la différence entre la lune et le soleil, vous savez que la lune, elle émet une lumière parce qu'elle est éclairée par le soleil. Donc la lune, c'est une lumière indirecte. C'est une lumière reflétée. Ce n'est que le reflet d'une autre lumière. Tiens. Le soleil, c'est une lumière qui émet par elle-même. C'est pour ça que c'est pour ça même que Sina Ibrahim, hein, quand il fait une recherche hein, dans le Coran, quand il fait une recherche de qui est Dieu, instinctivement, la première réalité sur laquelle il se tourne, c'est le soleil.
Et après, le soleil se couche, il dit non, non, ça ne peut pas être Dieu s'il se couche. Et après, il passe à d'autres éléments, à d'autres astres et à d'autres réalités. Mais la première, c'est, par évidence, c'est le soleil. C'est pour ça que même dans d'autres civilisations, amérindiennes, égyptiennes, etc., on a toujours mis comme étant la représentation de Dieu à travers le soleil. Et c'est vrai que le soleil, c'est la force. Hein, quand on parle de soleil, de lumière du soleil, c'est, c'est une lumière forte et c'est une lumière permanente. La lumière de la lune, c'est une lumière qui est douce. C'est pas une lumière. La lune, vous pouvez regarder, c'est un plaisir de regarder une pleine lune. Vous pouvez pas regarder le soleil. En plein été, vous regardez le soleil, vous pouvez pas. La lumière du soleil, c'est une lumière qui est aveugle. En fin de compte, c'est ça. Il y a un truc qui est... La lumière ne fait pas que guider. Elle peut aveugler. Si on se trompe de lumière, la lumière, elle aveugle. La lumière du soleil, elle aveugle. La lumière de la lune, elle révèle l'obscurité de la nuit. Elle révèle des choses qui sont autour de vous. Hein, vous voyez des ombres, vous voyez ça, vous les voyez peut-être pas entièrement, pas de manière très distinctive, mais elle révèle une présence. C'est-à-dire, comme la foi d'ailleurs, la foi révèle. C'est une révélation. Donc il y a deux réalités. Il y a la lumière qui émane par elle-même, et la lumière qui est de la nuit qui réfléchit, qui est une lumière réfléchie. Vous comprenez quand le verset Nour à Nour, vous dites qu'en fin de compte, Dieu dit lumière sur lumière. Et en fin de compte, on se dit qu'en fin de compte, Dieu, quand Dieu dit Allah ou Nour, Samawat, Dieu dit il est lumière. C'est qu'en fin de compte, il dit les choses existent par ma lumière. Si on prend la symbolique, c'est comme la lune. C'est-à-dire que la lumière de la lune, elle est réelle, elle est perceptible que par la lumière du soleil que vous ne voyez pas. C'est ce qu'on appelle la connaissance par réflexion. Ça veut dire que vous percevez une chose par rapport à ce qu'elle réfléchit, pas par rapport à elle directement. C'est-à-dire que si vous avez une lumière de la lune qui éclaire, qui vous permet de réveiller l'obscurité dans l'obscurité de la nuit, vous permet de révéler des choses, c'est parce qu'il y a une lumière derrière. Et c'est pareil qu'on dit Allah Nuru Samawati. Si les choses sont, si elles existent, si elles sont réelles, c'est parce qu'elles ne sont que le reflet de la lumière divine. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous avez accès. C'est pour ça que ce qu'on disait, les formations, pour ceux qui ont suivi, c'est la formation sur les 3 C, hein, corps, création, Coran. Quand on parle du Coran, on parle du prophète comme étant un Coran qui marche. La lumière du Coran, si vous voulez la comprendre, ce qu'est la lumière du Coran, elle reflète dans le prophète. Apprenez la sunna du prophète et vous comprendrez c'est quoi la lumière coranique. La lumière de Dieu, hein, qui est la lumière de Dieu, si vous voulez comprendre ce qu'est la lumière de Dieu à travers l'être humain, vous voyez qu'en fin de compte, que cette lumière divine, elle se réfléchit à travers la fitra. La fitra qui est une innéité. Hein, l'innéité, c'est ce qu'on appelle la prime nature, l'innéité. Il y a 10 000 traductions. En fin de compte, c'est quoi la fitra? La fitra, c'est le souffle divin en nous. C'est une lumière qui est présente dans nos corps, mais qui n'est pas, qui ne nous appartient pas. C'est ça le problème des philosophes des Lumières. Même la raison, c'est-à-dire, la raison n'est que le reflet de la lumière divine. Et évidemment, l'homme a quelque chose d'extraordinaire en lui. Ça, c'est une réalité. L'homme, il a une réalité intérieure qui fait qu'évidemment, l'homme n'est pas nature. L'homme n'est pas culture. Ça, c'est pas ça. L'homme, il est plus que ça. La preuve, le professeur, quand il est arrivé avec la révélation, il a chamboulé toutes les traditions. Toutes les traditions injustes, il a remis en cause les cultures, la culture ambiante, la culture de Quraysh. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, l'homme est plus que ça. L'homme, il peut se dépasser. Effectivement, c'est vrai. L'erreur, elle se trouve où? C'est qu'en fin de compte, ce qui fait bouger l'homme n'est que le reflet de la lumière divine. C'est-à-dire, c'est comme si vous... Il ne faut pas confondre. Et quand on parle de lumière réfléchie, c'est important. Parce que celui qui veut accéder à Dieu directement, vous savez, c'est impossible. Vous ne pouvez pas définir Dieu. La totalité de la vérité de Dieu, elle est indéfinissable pour nous parce qu'elle nous dépasse. C'est-à-dire, celui qui il s'aveugle. Comme celui qui veut regarder le soleil en plein jour. Mais celui qui veut comprendre la splendeur de la lumière du soleil, il le voit à travers en observant la beauté de la lune.
Ça, c'est deux. C'est important. Et celui qui veut comprendre la source, il doit comprendre à travers ce qu'elle reflète. Si on n'a pas accès à la source, on n'a pas accès. Ça, on n'a pas accès à la vérité. Ça, on connaît Dieu à travers ses attributs. Ça, c'est très clair en islam, parce que ça nous dépasse. Ça. Mais on a accès à travers sa lumière. Vous savez, Dieu se manifeste dans le Coran, hein, les versets coraniques, l'ayat, c'est des signes. Dieu se manifeste à travers ses signes. Dieu se manifeste à travers sa parole. Dieu se manifeste à travers sa lumière. Car en islam, nous n'avons pas d'intermédiaire. En islam, c'est une composition qu'on appelle iconoclaste, c'est-à-dire qu'on refuse toute représentation du divin. Toute représentation du divin est interdite. Tout corps intermédiaire est interdit pour deux raisons. Premièrement, dès que vous mettez un intermédiaire, ça dénature. Ça dénature la vérité. Ça. Si, c'est simple, hein, si vous me parlez et c'est transmis à une personne, il ne me donnera jamais la réalité du message de comme il a été émis à l'origine. Pour avoir le message en direct, je dois parler en direct. Donc, un intermédiaire, ça dénature la vérité. Un intermédiaire entre moi et Dieu, ça dénature la vérité de Dieu. Ma perception de la vérité de Dieu. Et deuxièmement, comme c'est arrivé à l'institution cléricale, quand on met l'intermédiaire, on déifie l'intermédiaire. Donc, Dieu se manifeste directement à l'homme. Il se manifeste directement à l'homme comment ? À travers ses signes, sa parole et sa lumière, mon ami. Ses signes, c'est dans la création. Sa parole, c'est dans le Coran. Sa lumière, c'est dans le corps. Donc, c'est le créé. Que j'expliquais tout à l'heure, quand je disais qu'en fin de compte, la création est, parce qu'elle n'est que le reflet de la lumière divine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence. Une chose n'existe pas. Hein, c'est le non-être qui est les ténèbres. Une chose n'existe pas si ce n'est pas, s'il n'y a pas Dieu qui a son origine. Donc, le signe dans le créé, et on va mettre la lumière dans l'inné. L'inné, c'est la fitra. Et c'est le Coran qui est à la fois signe et lumière. Signe, hein, c'est la traduction du mot ayat. Ayat, c'est des versets coraniques. Tiens, le Coran est signe et lumière. Et c'est une lumière révélée, et c'est un signe révélé. La création, c'est des signes créés. Le corps, c'est une lumière dans l'inné. Il dit, regardez dans votre corps. Et vous verrez le reflet de ma lumière. Et si l'homme n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est parce que Dieu nous dit dans le Coran, observez le monde, et vous allez comprendre les signes de Dieu. Observez le monde, tout le monde peut observer le monde, tout le monde peut s'observer soi-même son corps, etc. Et tout le monde peut accéder à la parole de Dieu. Et si Dieu nous dit que ma lumière étant la lumière de Dieu, mon souffle, vous avez été créé à partir de mon souffle, hein, c'est ça, évidemment, l'homme n'est pas fait que du souffle divin. Il est fait aussi ses passions. Et si on veut, ce qu'on appelle le furqan, le discernement, si on veut atteindre ce discernement, ça veut dire savoir ce qui est en nous, ce qui appartient à Dieu, et quand ce qui est écrit en nous, mais qui n'appartient qu'à nos passions, Dieu nous dit de revenir à la parole révélée, de revenir à la norme. Parce que la norme nous protège de la confusion. Et quand Dieu nous demande de revenir à la norme, de revenir à la parole révélée, la parole révélée, il faut la différencier. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu, dans son fond et dans sa forme. Mais le commentaire du Coran est un travail humain. Comment maintenant différencier ce qui est humain dans le commentaire coranique et ce qui est le fond du commentaire coranique, qui est réellement de la parole révélée, qui est la parole de Dieu. Dieu nous dit d'observer le monde. Vous savez, le Coran, c'est le livre qui, je le dis à chaque fois, c'est le livre qui est le livre de la vérité, hein, qui est le dernier livre révélé, qui est le livre qui clôture la révélation, hein, qui clôture toute la chaîne de la révélation. Et qu'est-ce qu'il nous dit, principalement? Il nous dit, allez voir ailleurs. Il dit, observez-vous, observez le monde. Pourquoi? Parce que la pertinence de la parole révélée, vous l'aurez quand vous ferez la jonction entre l'observation du monde et la compréhension des textes. Ce n'est que l'aller-retour entre le monde, entre les signes, hein, le livre déployé, le livre de la création et le livre de la révélation, le livre révélé, c'est que cet aller-retour-là qui permettra d'éviter l'égarement. Donc la création, c'est le contexte, le signe révélé, c'est le texte. La lumière révélée, c'est ce qu'on appelle la transcendance, ce que les philosophes de lumière ont rejeté, ce que nous considérons comme étant fondamental.
Et la lumière dans l'igné, c'est ce qu'on appelle l'immanence. Hein, c'est ce que toutes les techniques de développement personnel sont en train d'exploser chez nous, dans la communauté. Hein. C'est cette technique-là qui nous dit la victoire, la force est en vous, etc. Et qui dit, en fin de compte, revenez sur vous-même et vous allez retrouver la solution à tous vos problèmes, etc. Cette idée de dire, vous savez, cette idée-là, elle peut paraître choquante pour un croyant, parce que la vérité, elle est chez Dieu, elle n'est pas en nous-mêmes. Mais en fin de compte, quand vous comprenez un peu la cosmologie islamique, c'est pas faux. Parce que réellement, en nous-mêmes, il y a un souffle, il y a une réalité, il y a une vérité en nous-mêmes. C'est-à-dire. Le seul problème qu'on a toujours, à chaque fois, c'est le problème du lien. C'est-à-dire que les signes créés, c'est-à-dire comprendre le monde sans comprendre le Coran, c'est pas possible. C'est qu'une relation entre le texte et le contexte qui permet d'avoir une compréhension dans le discernement. Et c'est la même chose entre la transcendance et l'immanence. Comprendre son intériorité sans comprendre la lumière révélée, sans avoir une proximité avec le Coran, c'est aussi la confusion. Et qu'en fin de compte, en islam, on n'est pas en opposition frontale et radicale avec ce qu'est les philosophes et lumières. Là où on est en opposition, c'est ne pas s'approprier. On ne s'approprie pas les choses. C'est-à-dire, tout revient à Dieu et tout vient de lui. Cette lumière qui est en nous, elle est lumière de la raison, même de la raison et de la connaissance que nous on développe, et d'ailleurs dans le Coran, à chaque fois Dieu nous demande de raisonner, ça nous rapproche de la lumière divine. À la condition que le lien se fait. Que le lien se fait entre le texte et le contexte. Et le lien qui est fait entre le texte et le contexte, c'est quand on apprend à gérer la réalité visible. C'est ça le lien de tout ça. Ça veut dire comprendre notre réalité sociale, économique, politique, comprendre ce que le Coran nous dit par rapport à cette réalité-là, et à partir de là, savoir gérer le monde, et dans la justice. Et le lien entre la transcendance et l'immanence, c'est aussi ça, mais c'est la réalité invisible. Comprendre ce qui vient de l'au-delà, et qu'il y a un monde invisible, comprendre qu'il y a une autre vie après la vie, comprendre que ce monde-là est une illusion, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la finalité, et comprendre aussi qu'à l'intérieur, on a une vie intérieure, on a une vraie vie intérieure, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose à développer. Ce n'est pas que le révéler, c'est aussi l'inné qui est chez nous. Et le fait de gérer ça, c'est gérer notre réalité du monde invisible. Parce que le monde invisible, c'est fondamental pour nous. Et la réalité du musulman, c'est ça. C'est vivre dans le visible en tenant compte de l'invisible. Et c'est de faire le lien de tout ça. Wallahu a'lam.